2020 fêtera le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven. Dans son opéra Fidelio, le compositeur a célébré la liberté. En tant qu'ami de la nature, il a défendu la préservation de la création. Et avec l'hymne à la joie, le citoyen éclairé, querelleur et passionné a créé l'hymne tardif de l'Europe. Une exposition à la Bundeskunsthalle de Bonn montre plus que cela. Elle présentera le compositeur avec 250 expositions, comme un enfant de son temps. Beethoven était quelqu'un qui riait beaucoup, qui passait de bons moments avec ses amis, et même quand il était sourd, il s'amusait encore beaucoup. Beethoven est aujourd'hui le compositeur classique le plus joué au monde. Ses compositions n'ont pas seulement dépassé l'imagination de son temps, ses œuvres font partie du patrimoine culturel de l'humanité. L'anniversaire de l'artiste sera célébré dans toute l'Allemagne jusqu'au 17 décembre 2020.